alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. 'Cause I'm coming on strong. The grass should've looked greener. I'm being true believer in disguise. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons intégrer les bouchons d'eau qu'on a reçus. Nous allons faire les branchements. Voilà, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté et vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces solutions-là. Voilà, tous les raccords. Petit déballage. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous avons deux réserves d'eau. On devait les jumeler, mais on a décidé de ne pas les jumeler. Parce que ça n'allait pas être pratique et pour des risques de fuite, on a décidé de ne pas les jumeler. J'ai déjà un bouchon qui est placé à droite. Je vais venir en placer un deuxième, il me servira d'évent. Ce qui fait que j'aurai deux bouchons avec deux tuyaux de 40 qui vont dans le réservoir. On dévisse les deux bouchons et on peut venir faire le plein. Et l'autre réservoir, on dévisse les deux bouchons, on fait le plein dans l'un ou dans l'autre. Et comme ils communiquent, il y en a un qui va servir pour remplir et l'autre qui sert d'évent, tout simplement. Ensuite, quand on reprend la route, on ferme les deux bouchons. Ça évite aussi les risques de fuite. Alors comme ces petits bouchons sont équipés d'un tuyau, ça va servir aussi un petit peu d'évent quand on roule. Et ça évitera que les réservoirs se vident, surtout si on fait du tout terrain et qu'on a des réserves qui sont peut-être quasiment pleines. Même si elles ne sont pas forcément pleines, ça finira par couler. Donc grâce à ce système-là, l'avantage, c'est qu'elles ne vont pas se vider quand on sera en train de faire du tout terrain ou alors des virages un peu trop rapides, 240 km/h. Nous avons ces petits raccords là qui nous servent à venir alimenter la pompe à eau. Voilà, je précise que tout ce qui est vent et remplissage, c'est en diamètre 40 pour être tranquille au niveau des transferts RO. Si je veux, je peux tirer dans le réservoir de droite ou dans le réservoir de gauche, ou alors je peux tirer dans les deux réservoirs, mais je pense que je vais tirer dans un réservoir à la fois, ce qui me permet de savoir quand j'en ai un qui est vide, je suis dans l'autre en réserve. Mais le problème, c'est que vu que j'ai un réservoir à droite et un réservoir à gauche, ça va me faire un déséquilibre. Donc en fait, je retire ce que j'ai dit, je pense que je vais faire les deux réservoirs en même temps, mais avec la possibilité de fermer l'un ou l'autre. Voilà, donc ça c'est une petite crépine avec un plomb à l'intérieur qui est assez lourd, et ça permet au tuyau, bah là il n'est pas du bon diamètre, mais je vais le modifier. Voilà, ça permet au tuyau d'aller au fond. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va au fond. Et ben c'est ça, justement, ça évite de faire entrer les impuretés. Alors commençons par le commencement. Alors je prépare mes outils tranquillement et ensuite je viens tracer l'emplacement de mes futurs bouchons d'eau. Je suis venu faire un trou à la perceuse pour pouvoir faire le grand trou par la suite par l'extérieur. Donc vous pouvez aussi apercevoir que mon bouchon d'eau, le diamètre est plus gros que ma scie cloche. Donc je vais déjà faire le trou à la scie cloche et ensuite je viendrai avec une scie sauteuse élargir le trou. Je sais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais comme je n'ai pas d'autres scie cloches et je vais pas aller en acheter une juste pour faire trois trous, on va se débrouiller comme ça, système D. Alors là, autant vous dire que quand on n'a pas le bon outil, on met un temps fou. Pour faire deux trous, j'ai dû mettre environ une petite heure, mais c'est bon. J'arrive à me débrouiller, c'est le principal. Il me restera plus qu'un seul trou à faire et on aura enfin terminé. Là, je vais pouvoir installer mes bouchons, coller, visser, et ensuite, on va aller à l'intérieur pour brancher et connecter les tuyaux. Oh là là là, je galère, ça me prend la tête, mais un truc de fou. Je suis pas souvent énervé, mais là j'en peux plus là. Je galère avec mes tuyaux. J'avais pas prévu de passer des tuyaux ici, et en fait le tuyau d'arrivée d'eau pour arriver là-bas, il a fallu que je le passe ici, dans mon meuble qui est tellement bien vissé maintenant que même quand on enlève les vis, on n'arrive même plus à le démonter. Et donc j'ai dû faire un petit trou avec l'outil multifonction, j'ai pris une tige, j'ai ramené le tuyau, c'est bon, il est là-bas et tout. Franchement, ça me prend la tête, c'est galère. Ça m'a ultra énervé, mais un truc de fou, quoi. Un truc de dingue. Ah, j'ai envie de tout casser. Ah, chouchou. Un truc de dingue. C'est énervant, c'est énervant. T'énerve pas. C'est énervant. Tu sais comment tu fais, toi?
Tu sais ce que je fais, moi, quand je suis énervée? Non. Eh ben, je regarde la vidéo des Here We Are World. Viens faire voir. T'as préparé ta petite vidéo et tout? Ben, je regarde souvent. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais faut se mettre à... Hein. Faut s'endormir et tout, non? Enfin, faut se coucher, non? Ah non, ferme tes yeux, regarde. Votre menton. Écoute. Tout votre visage se détend. Oh, ça me fait du bien. Non? Relaxez vos épaules. Ouais, mais là, je vais m'endormir. Mais hey, c'est pas bête, ça. Alors, c'est la vidéo sur la méditation qu'ils ont faite. Vas-y, viens, on leur met là. Regardez, on vous la met là. Eh, hey, c'est excellent, ça. Et franchement... Encore un petit coup. Laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes. Très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou. Le long de votre nuque. C'est bien. Moi, je suis en train de... Galérer. De galérer un truc de fou. Franchement, j'ai une petite pensée pour les plombiers parce que je sais que c'est pas facile ce métier-là et vous devez des fois bien galérer aussi. Ah ouais, grave. Est-ce que tous les plombiers ont la raie du plombier? Ou pas? Mais franchement... Tous les plombiers, dites-moi et je vais vous transmettre le lien. Non mais franchement... J'ai pas de place, mais bon, c'est normal, c'est moi qui l'ai choisi, un petit véhicule, hein. Puis ça s'emboîte pas dedans, je vais pas y arriver, j'ai passé ma journée à mettre trois tuyaux. Oh là 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 là. Enfin bon, j'y arrive presque, hein. Bientôt, ça va être bon. C'est pas facile. C'est pas facile, non, faut que je chauffe. Je chauffe au décapeur thermique et voilà. Bon allez, je finis ça, on se retrouve après. Hein. On a peut-être un magasin, un bricomarché où on pourrait commander sur internet et aller déposer et aller chercher au drive. Et j'ai regardé, je pourrais avoir plein de choses. Donc si c'est ça, c'est cool, voilà. On voit ça ce soir, on a fait toute une liste de ce qu'il nous fallait. Bac à douche, paroi de douche, les raccords en 40 d'évacuation, les raccords de multicouche, tout ça. On va tout noter, on va essayer de rentrer tout ça sur le site et s'ils nous disent que c'est bon, on peut venir retirer en magasin. Et bien dans ce cas-là, demande, ira en magasin, retirer. Tu veux faire quoi? Tu veux montrer la liste de ce qu'on a noté? Ouais, non, on va pas tout vous montrer, mais voilà. Alors on range tout ça, on se prend une petite soirée pépère parce que là, franchement, non, honnêtement, j'ai bien bien galéré. C'est pour ça que je vous disais, petite pensée aux plombiers parce qu'il y a des fois, ça doit être dur. Voilà, allez, à demain. 1, 2, 3, voilà. Ça, c'est mes claps à moi, en fait. Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer mon nouvel enregistreur vocal sous les conseils de Philippe de Voyage Voyage. Je m'en suis offert deux pour faire mes portraits, tout ça, ça sera bien mieux. Et là, du coup, comme je savais plus trop comment on faisait les claps, je sais pas quoi, là, du coup, bah, je me fais mes petits repères sonores, vous avez entendu tout à l'heure. Ça fait un petit peu peur, mais c'est marrant. C'est mes trucs à moi, voilà, pour faire mes repères. Attention, chose inattendue aujourd'hui, pourquoi je suis en voiture, c'est un truc de dingue. Vous allez même pas, vous allez même pas y croire quoi. Ça fait plusieurs fois qu'en commentaire, vous me dites, oui, il y a des magasins de bricolage qui sont ouverts en drive. Et moi, je vous dis à chaque fois, oui, mais c'est des produits essentiels. Eh bien, il se trouve que tout ce que je vais acheter ce matin, ça rentre dans la catégorie, entre guillemets, des produits essentiels parce que c'est de la plomberie, de l'électricité, voilà, c'est des choses de la maison pour l'aménagement. C'est pas des choses qui ne servent à rien. Et comme je suis en train d'aménager ma maison, j'ai le droit d'aller acheter ce qu'on va acheter ce matin. Donc du coup, hier, sur le site de Bricomarché avec Charlotte, jusqu'à 4h du matin, on a fait des commandes. Et vraiment, on a commandé tout quoi, bac à douche, tuyaux, raccords multicouches, paroi de douche, lambris PVC pour la douche, le mitigeur thermostatique pour la douche, le mitigeur pour l'évier, voilà, sans trop vraiment y croire, on a mis tout ça dans notre panier, plein de choses, des tubes d'évacuation en 40, enfin des trucs mal femelles, machin, et le site, il est mal fait le site, franchement, faut le dire, hein, il n'est pas très intuitif du tout, donc à chaque fois, il fallait retourner au début, il y a des trucs qu'on trouvait pas, voilà. On a réussi avec de la patience, je ne sais pas comment on a fait, on a réussi jusqu'à 4h du matin. On a tout commandé et voilà, et là ils disent, vous aurez une réponse de Bricomarché si vous avez le droit d'acheter et de venir chercher votre commande, quoi, tout simplement. Ce matin, on a une réponse, votre commande est prête, vous pouvez venir la chercher en magasin.
Bah écoutez, voilà, ni une ni deux, j'ai pris la remorque, je l'ai vidée, je l'ai accrochée. Et là, je me rends à Bricomarché, à Loche, pour aller chercher tous ces matériaux. Normalement, j'ai rien oublié, carte d'identité, j'ai fait ma petite attestation, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, et ils travaillent de 8h à midi et sans contact avec les clients. Donc apparemment, ils ont fait tout un système de drive où on va passer derrière dans le bâti et tout. Ils chargent tout dans la voiture, il n'y a aucun contact et on s'en va. Voilà. C'est même pas nous que je crois qu'on descend, on ouvre le coffre, ils chargent dans la voiture, ils referment le coffre et voilà, et on s'en va. Alors écoutez, bah c'est génial, j'ai envie de dire c'est génial, parce que voilà, en toute légalité, on a eu le droit d'aller acheter tout ce qu'il nous fallait. Franchement, on a quasiment tout ce qu'il nous faut pour finir le camion. Donc c'est génial. On se met ! Ça c'est bien aussi comme son, sinon pour faire un clap, ouais. Voilà, j'arrive bientôt, on va voir si, bah, si tout se passe bien. Ça fait bizarre de rouler sur la route et qu'il n'y ait pas grand monde comme ça, mais il y a quand même du monde en fait. Hein. Il y a quand même des voitures qui roulent. Hein. Moi, ça fait 3 semaines que je ne suis pas sorti. Et je pensais qu'il y aurait eu moins de voitures. Bah, des camions, il y en a, c'est tout à fait normal. Hein, ça fait bizarre par contre, il n'y a rien qui est tondu. Les fossés, les ronds-points, il n'y a rien qui est entretenu. Ça fait trop chelou ça. Ah ouais, ça fait bizarre. Ah, c'est dingue, on dirait que c'est laissé à l'abandon. Magasin, boulangerie, grosse boulangerie, c'est ouvert. Magasin, tout ça, ouais. Ouais, j'ai l'impression de découvrir, vous savez peut-être déjà, mais moi, c'est la première fois que je sors, quoi. Depuis 3 semaines. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment bizarre, quoi. Eh bien, écoutez, je sais pas trop comment faire. Ah, oui, il y a une queue. Oh là 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 là. Il y a une queue, en fait. Pop, 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 pop. Eh ben, d'accord. Eh bien, on va faire la queue. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 voitures. Voilà, j'attends. Je vais essayer de vous faire voir, regardez. Vous voyez la belle petite file qu'il y a là-bas? Je vais attendre sagement mon tour, voilà. On se met! Ah, j'aime bien ça, ouais. Ça, ça va être mon claps. Alors... pour les livraisons uniquement matériaux, non, c'est bon, ça c'est tout ça. Information, procédure exceptionnelle, enlèvement matériaux. Entrez sur la gauche après autorisation. Une voiture sort, une voiture rentre. Baissez votre fenêtre, indiquez vos besoins clairement. Geste barrière de 1 mètre, bah moi je reste dans ma voiture. Avancez dans la cour, restez dans votre véhicule, nous vous chargeons. Retournez en caisse, réglez vos achats, carte bleue uniquement, geste barrière 1 mètre. Sortez, sanglez sur le parking, ok. L'accès magasin est interdit sauf alimentation animale sur demande. Lundi et samedi, accès magasin interdit, ça. Paiement en carte bleue uniquement, ouais, ben voilà, geste barrière. Oh, c'est dingue, hein. C'est hallucinant. Hein. Bon, on va voir comment ça se passe, ça y est, c'est à notre tour. Bonjour. Bonjour. Sur un internet ou bâti? Internet. C'était quoi? Des matériaux, beaucoup de matériaux, bac à douche, lambris PVC, tout ça. D'accord, quel nom? Monnier, M-O-D-Z-N-E-R, j'ai le numéro de commande si vous voulez. C'est bon. C'est bon, vous l'avez? Vous rentrez dans la cour matériaux. Ouais. Vous allez vous carrer où il y a la voiture grise. Elles sont toutes les deux grises. Le Kangoo ? Lui qui a le coffre ouvert. D'accord, ok. Vous me mets devant ? Devant, le temps que vous faites demi-tour, ça sera peut-être parti. Vous mettez là, je vous appelle mon collègue. Ok. Il vous charge, vous viendrez régler ici. Ok. Allez-y. Oh, les femmes, elles sont en train de charger les granulés, tout ça. On a envie d'aller les aider, mais on peut pas sortir. Ah, galère. Oh là là, ils sont en train de lever des sacs de 35 kg à deux, galère. C'est vrai que les gars, en fait, ils sont là, ils disent aux voitures où aller, c'est les femmes qui chargent les sacs de sable. Bonjour. Allez-y, avancez. Vous voulez venir avec moi, monsieur? Allez-y. Ok. Le truc de douche, il y a pas. Le truc de douche? On est en rupture, monsieur. Ah mince. Je fais quoi, là? Je retourne dans ma voiture, c'est ça? C'est fini, là? Ouais, c'est bon. C'est chargé. C'est bon, c'est chargé, impeccable. Merci, bon courage à tous. Hein. Les filles, elles galèrent là-bas avec les sacs de sable. Au revoir. Ah, c'est pas cool, ça. Merci et bon courage. Hein. Oh là là, c'est... on prend un petit gant, tout ça, pour payer. Ils ont tout chargé dans la remorque. Il y a juste le thermostatique qu'on n'avait pas. Pour la douche, alors je vais vous dire, c'est pas bien grave. Hein. Et ouais, les gens ils disaient que c'était assez stressant de travailler là, de travailler comme ça, quoi.
Mais que voilà, ils, de toute façon, vaut mieux qu'ils travaillent que rester chez eux. C'est ce qui ressort. C'est dingue, hein. Bon bah je vais tout accrocher, voilà, c'est fini, c'est fait, on se retrouve tout à l'heure à la maison. Aussitôt acheté, aussitôt posé. Voilà, j'entame la pose du bac à douche. Donc c'est un bac en porcelaine qui fait 80 par 80. Pourquoi de la porcelaine? Parce que c'est très costaud, ça tient bien dans le temps et on a juste besoin de les coller. Tellement ils sont lourds, en fait, ils viennent se coller tout seuls. Donc là, j'ai commencé à faire un trou avec une scie cloche et j'avais pas assez pour faire un trou qui est d'environ 90. Donc j'ai continué à la scie sauteuse et ensuite je suis venu mettre plusieurs petits coups de scie cloche pour élargir le trou sur le plancher du bas parce que là on a en fait un double plancher. Voilà. Ensuite j'ai monté ma bande que j'ai collée avec de la colle à piscine. J'ai toujours ce petit réflexe de mettre un peu de la colle partout mais au moins ça fuit pas dans le temps et c'est le principal. Je l'ai posé, j'ai regardé à l'extérieur en dessous du plancher si ma bande s'alignait bien. Donc c'est nickel, je vais laisser sécher et on va passer à la cloison de la douche. Tadam ! Tout est jointé. Demain, je pose le lambris. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je pose tout le lambris thermostatique. La porte de douche, elle arrive dans environ 10 jours, mais ça, c'est pas grave. Encore une fois, il y aura aussi un aérateur de toit à mettre, mais il va pas arriver non plus tout de suite. Plus le lanterneau avec le ventilateur intégré pour la chambre des enfants. Voilà. La bonde est fixée. Tout ça, c'est OK. Et après, je vais pouvoir commencer à installer dans la prochaine vidéo mon chauffe-eau, mon chauffage. Et voilà, et il nous manque aussi le meuble de cuisine pour mettre l'évier. L'évier, on l'a, on n'a pas le meuble de 40, on n'arrive pas à trouver de meuble de 40. C'est bon. Et voilà, machine à laver, tuyau de gaz, tout ça. Et en fait, ça a été vite, hein, chouchou. Du coup, Ça a été extrêmement vite parce que si j'avais les matériaux, là, dans l'intérieur, hein, si j'ai les matériaux, dans une semaine, il est fini. Merci ma petite femme. Ouais. D'avoir merci ma petite femme. Marché. Une semaine, deux semaines, grand maxi, deux semaines, si j'ai les matériaux, l'intérieur est entièrement fini et limite fonctionnel. Après, il manquera plus que le solaire. Mais ça, on a vu ça avec MyShop Solar, ils sont en train de me faire une installation au top. Et ça arrivera après le confinement, gentiment, ça c'est pareil. J'aurai juste à me brancher pour faire tourner tout le camion, et ensuite quand on aura le solaire, et ben il commencera à devenir autonome. Ça, c'est pas non plus super super important. Sur ce, gros bisous, on vous dit à dimanche pour le live. Moi, j'ai un truc à dire. Ah, vas-y, on t'écoute. Vous avez vu sur Insta, j'ai dépassé les 10 000. Ah ouais, grave. Merci à tous et merci à Wesel on the World qui nous a partagé sur Insta pour nous donner le dernier petit coup de pouce pour atteindre les 10 000. Merci à vous, c'est vraiment chouette. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et à bientôt sur mon Insta. Bisous, bye bye, prenez soin de vous. Et à dimanche sur le live, 19h, n'oubliez pas. À demain. Comme d'habitude, votre rendez-vous du dimanche.